La FIC a décidé de reprendre ses moyens de pression dès maintenant et soutient qu'elle les maintiendra aussi longtemps qu'il le faudra. Avec nous pour en parler, Jérôme Rousseau, vice-président et co-responsable de la négociation à la FIC. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Mme Marcoux. Alors, où ça achoppe encore? En fait, c'est toujours la question de la flexibilité puis de la souplesse que le gouvernement exige. On a eu une entente de principe qu'on est allé présenter à nos membres, mais ils l'ont rejetée à plus de 61%. Et quand on faisait la tournée puis qu'on discutait avec nos membres, c'est vraiment la question de la flexibilité puis de la souplesse. Elles veulent que leur expertise puis leur expérience soient bien reconnues et respectées. Donc, c'est beaucoup l'élément primaire là, actuellement là, qui échappe dans le cadre des négociations. Et la mobilité de la main-d'œuvre, est-ce que ça aussi, ça fait partie, des enjeux? C'est la même terminologie. Quand on parle de flexibilité, de mobilité, de souplesse, et peu importe, quand le ministre Dubé parle, il va voguer entre ces trois concepts-là. C'est la même chose, en fait. Comment vous expliquez qu'on vient tout juste d'apprendre qu'il y a une intention là, de mettre en place une équipe volante pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans les différentes régions? On a beaucoup parlé de l'Abitibi, la Côte-Nord. Donc, une intention entre Québec, la CSN et la FIC pour ce qui est de leurs employés, pas de la FIC, mais de la FTQ, pour ce qui est de leurs employés du secteur de la santé. Et vous, vous n'êtes pas capable de signer une convention collective? En fait, c'est particulier parce qu'on a proposé cette solution-là d'instaurer une forme d'équipe volante au niveau national en novembre. Mais la partie patronale, l'équipe de Mme Lebel, nous a dit non, elles n'étaient pas ouvertes à faire ce genre de solution-là. Fait qu'on sait qu'on vit actuellement des problèmes dans le réseau de la santé. On sait qu'on doit se départir, puis ça, on partage la vision du gouvernement de se départir de la main-d'œuvre indépendante des agences. Donc, on dépense des millions dans le cadre pour payer des agences. Donc, on espère que si l'idée des équipes volantes fait du chemin puis que le gouvernement est ouvert, bien, on espère qu'on va être prêt à donner des incitatifs, justement parce qu'on le sait qu'il y en a sur une base volontaire, accepterait justement d'aller prêter main forte à certains moments puis à certaines régions. Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire? En fait, ça fait partie des discussions, puis on en a fait dans le cadre de la négociation des concessions, quand on parle des questions d'ancienneté, aussi d'ouvrir un peu sur la question de la mobilité. On avait fait une tentative, mais nos membres, actuellement, dans le contexte dans lequel on est, la réforme qu'on est en train de vivre, je tiens à le rappeler, là, c'est la troisième grande réforme qu'on va vivre dans le réseau de la santé, puis à chaque fois avec des promesses d'amélioration qui ne se concrétisent jamais. Donc, il y a beaucoup de préoccupations actuellement de la part des membres. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler sur l'attraction, la rétention. Comme organisation syndicale, on est toujours prête à mettre des solutions puis à ouvrir un peu les discussions. Mais là, pour le moment, on est en attente de réponse de la part du gouvernement sur c'est quoi précisément le besoin de mobilité, comme vous disiez, ou de flexibilité pour qu'on soit capable de trouver la bonne solution qui correspond aussi aux besoins des professionnels en soins. C'est comme si le gouvernement et la FIC, là, on partage une même idée, on veut assurer les soins et la qualité des soins à la population, mais on n'a pas tout à fait la même vision sur le terrain parce qu'on ne peut pas utiliser des vieilles méthodes passées de déplacer les gens n'importe comment. Monsieur Rousseau, comment convaincre Québec que vous voulez plus que ce qui a déjà été accordé aux autres infirmières du réseau qui travaillent en milieu hospitalier? En fait, je remets dans son contexte. Actuellement, là, il y a très, très peu d'infirmières qui ont conclu une entente de principe au Québec. Du côté de la FIC, on représente près de 95 % des infirmières et des professionnels en soins. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre ça un petit peu dans la balance. Nous, on a rencontré pendant trois semaines de temps l'ensemble de nos membres qui représentent plus de 90 % des professionnels en soins au Québec. Et la question de la mobilité, je vous dis, c'était unanime. Les gens ne veulent pas, on veut respecter notre expertise. Une infirmière qui travaille dans des soins critiques en soins intensifs du jour au lendemain ne peut pas se retrouver à travailler en santé mentale ou en CHSLD. Donc, il faut tenir compte de cet élément-là. Mais Et le patient dans tout ça, M. Rousseau, vous n'avez pas parlé du patient là, depuis le début de l'entrevue? La FIC, ça fait 15 ans qu'on parle du patient. On parle des ratios professionnels en soins. On veut assurer une prestation de soins qui a du bon sens auprès de la clientèle. Ça fait 15 ans qu'on milite pour ça. Donc, on demande au gouvernement aussi de travailler sur cette question-là, la charge de travail, parce qu'à terme, là, ce que les professionnels en soins nous disent quand elles refusent une mobilité, c'est parce qu'elles veulent assurer des soins de qualité à la population. Pensez-vous que vous avez encore l'appui de la population? Oui, je pense que oui. On en est convaincus tous les jours sur le terrain des professionnels.
professionnels en soins discutent, veut pas avec la population et on a l'appui des gens. Ils comprennent les enjeux actuellement qu'on vit dans le réseau. C'est très, très, très difficile. On voit là, dans les régions comme en Abitibi-Témiscamingue, les professionnels tiennent le réseau à bout de bras. Donc, on comprend là, que la population est derrière nous puis nous appuie dans cette lutte-là parce qu'à terme, c'est pour elle qu'on travaille actuellement. Jérôme Rousseau, qui est avec nous, vice-président de la négociation à l'AFIC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.